Coucou, c'est Nogan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les frérots. J'espère que tout le monde va bien, vous allez bien. Là, je fais une petite vidéo réaction sur un joueur qui m'a choqué de bug. Non, je veux dire de garçon. Le petit garçon a seulement 10 ans, les frères. Il a seulement 10 ans, j'ai vu une action de lui juste sur Instagram, j'ai dit, hey, j'ai contacté son père. J'ai dit, là, faut que je fasse une vidéo réaction sur lui parce que. Pour son âge, déjà, tu veux pas faire ça. Tu veux pas être né il y a 3 jours et demi pendant le Covid et dribbler, faire des choses comme ça. J'ai vu juste une action, les frères. Alors là, j'imagine pas. Là, j'ai une mixtape de 13 minutes, les frères. On va essayer de voir un peu ce que ça donne. Mais ce mec, c'est un crack, les frères. C'est un crack de fou. Donc, ouais, tout à l'heure, il est né le 9, 19 juillet 2011. Je savais pas que j'allais dire ça un jour. À Thannon-les-Bains, en Haute-Savoie. Il a enchaîné des belles performances, hein. Le frérot, il a été vainqueur dans le tournoi FIBA 3-3 en U19 2020, en U11 en 2021, en U12 2022. Enfin, le mec, il a gagné toutes les années, quoi. Il est surclassé en U13, 5e du mondial mini basket de Beaubourg en 2022. Frère! Donc, vas-y, on va voir ce que ça donne en vrai de vrai. On va voir s'il fracasse les chevilles, casse les joueurs. Enfin, dans le bon sens. Quand je dis casse les joueurs, c'est pas en mode. C'est pas en mode Draymond Green, hein, c'est en mode vraiment genre il est cross quoi. Du coup, on va voir ce que ça donne. Et j'espère qu'il y aura du ça des frères, hein, parce que c'est pas une réaction et ah! Il se passe rien. J'ai le seum. Non, je pense pas. Genre, je pense que le petit, il est chaud. Donc c'est parti. Let's go. Ah, il est vraiment petit un hein, peu de court. Ok. Ouh! Il a petit... Attends, il a fait un no-look pass là ou je rêve? C'est un no-look! Je suis pas fou! Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Finis-moi ça de. Pourquoi il fait un marché, wesh, à la fin? Putain, il drive, hein! Hey! Oh, c'est propre, c'est propre, c'est propre. Pour l'instant, c'est propre. Mais il est archi. Putain, je sais pas s'il est archi petit ou c'est moi, je suis fou! Et je trouve il est petit de taille, hein. Après, j'avoue, il a 10 ans après. Hey, ok. Sympa, sympa. Hey, ok. Qu'est-ce que tu... Ouh! Là, il est en mode Chris Paul, là. Il est en mode CP3. Qu'on appelle ce move, là? Le nutmeg. Enfin, peut-être j'ai de la merde, mais c'est un délire du genre, je pense. En tout cas, ouais, il est en mode Chris Paul fort, là. Allez, fais-nous rêver, frérot. Aïe, aïe, aïe. Wouh! Oh, la passe, elle est propre de ouf. Elle est propre de ouf, la passe, hein. Eh, hey, wesh, wesh, wesh. C'est quel pressing qu'il fait, lui? Oh, quel bas. Wesh, il est vénère de ouf ou quoi, non? Voilà! Il y a la. Ouh, le step back là! Mais des fois, je comprends pas. Des fois, il joue sur des paniers. Le panier, il fait 2 mètres, 2 mètres. Et des fois, il joue sur un 3-0-5. Je sais pas comment il jauge ça, la fédération. Ok, Tyler. Ok. Ah, il fait des no-look pass tout ça! Oui, ça se voit, il a trop saigné les joueurs NBA là. Il y a une nouvelle génération, il kiffe ça. Hein. Ouh là là. Ouh là là, ouh c'est sale. Ouh c'est très sale le mouvement. Théma, comment il y a la rage. Théma, comment il y a la rage. Lui, il veut abattre lui, mon frère. Ok. Ouh là là, le cross. Et bon. Ok, ça drive. Ouh là là. Coast to coast. Coast to coast. Oh la passe. Ah, j'avoue, il fait taf là. Hein. Mais. Non, les frères, il y a un problème. Comment t'es né il y a 2 jours et demi, frère? T'es né. Frère. Thanos, il n'existait même pas encore. Comment tu fais des trucs comme ça, frère? C'est une dinguerie de ouf, hein. Là, il joue comme s'il avait 16 ans, frère. C'est. Wesh. Mais frère, moi, à 10 ans, je savais même pas faire un double pas main droite. Alors que j'étais droitier, les frères. Comment il arrive à faire ça, lui? Wesh, c'est une dinguerie de ouf, hein!
Ah, c'est... ils jouent avec des filles, là. Ils jouent contre des filles. Ah, t'entends le père qui motive, hein. C'est bien, ça. Et là, là. C'est des bonnes passes, hein. Ah, ouais. Ah, ouais. C'est bien, ça. Hein. Oh. Aïe. Le gros, il y a des mecs qui... Attends, le mec qui joue à la montagne. Frère, c'est à la montagne derrière. Mais frère, attends, désolé, mais t'es à l'école quand même, frérot. Comment ça se fait t'es... Comment tu fais pour faire du basket, jouer dans sud, nord, est, faire le tour du monde, en même temps être à l'école? Frère, non, toi, je sais pas. Toi, t'es vraiment projet Curry, toi. Toi, t'es projet Curry, frère. Aïe, aïe, aïe. Oula là, où est le petit Shamgon? Oula là là là. Ouais. Ah, c'est dommage. Ah, il reprend son rebond. Oh ouais, non, lui. Mais les gars, non. Il a vraiment fait tous les tournois du monde, là. Il a fait tous les tournois de France. Non, mais en vrai, de vrai, je suis content pour lui. Hein. C'est bien. Parce que, comme ça va permettre de se développer, d'être meilleur. Mais les frérots, là, il est trop passionné. Là, il abuse de la passion. Là. Il aime trop ça. Mais c'est comme ça qu'on pète après. Hein. C'est comme ça que là, dans 5-6 ans, on va voir qu'il va jouer à tout ça, tout ça. Non, franchement, je suis... Pour l'instant, je suis content. Je suis content. J'aime bien. Sur le terrain numéro 2, j'espère qu'ils sont déjà prêts. Le dire de la boule, c'est pour les Magicers sur le terrain numéro 3. Ah ouais. Ça va être... Oh là là. Jusqu'à il conteste et tout. Parce qu'elle connaît pas, et c'est le... ça non, oh, c'est le papa, vrai, il est énervé, là. Allez, oulala. Deux actions, deux crosses, oulala. Merci. Wesh. Non, mais oui, ouais, wesh. Encore il a crossé. Les frères, il a crossé trois fois même, la même... Les gars, il a fait trois dribbles différents, trois moves différents. Le défenseur, trois fois, il glisse de la même façon. Ouais, ça dirait un jeu vidéo, frérot. 5, 4. Mais défense, sérieux, frérot. Ah, match, mais... encore. Fini pour le terrain numéro 2. Non, mais attendez. Ok, il a mis un buzzer. Mais pourquoi le défenseur, il défend pas sur lui? Oh, oui, mais wesh. On lui dit, il reste 4 secondes. Il ne sert pas. Enfin, ok. Pas lui, là. Ah ok, ouais. J'allais dire, wesh, il a grandi de ouf, là. Ok, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok. Ok, au poste. Ok. Ok. Ah, il est tout seul. Ah, c'est bon. Oulala. Ah, il est rapide, hein. Ah, frérot, il est rapide, le bougain, hein. Non, lui, il a pickpocket en Hall of Fame ou quoi? C'est quoi ce délire là? C'est bien ça. Wesh! C'est qui ce fou là? Non, mais c'est pas normal. Ah, dommage. Marchez, marchez! Calmez-vous les frères, marchez. Mais wesh. Et le frérot, il a 10 ans, frère. Mais c'est pas possible, gros. Il y a un truc que je comprends pas. Non, son daron, c'est... Eh, son père, franchement, gros respect à son père. Il le fait taffer de fou malade. Théma, il passe. Mais Théma... Il met des faces. Mais non, mais gros... Là, ça va trop loin, frère. Frère, c'est quoi ce petit là? Théma, coast to coast? Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Oh là, ne look pas son... Oh là là, mais c'est... Ouais, c'est qui ce petit, frère? Oulala, les jambes,
Théma, on défend à 2 sur 8 le frérot, il met des N1. Et en plus, le pire, ce qui est meilleur avec lui, c'est qu'il célèbre même pas. Fais une petite célébration, mon gars, flex. Mon gars, tu peux flexer. T'as fait tout ça, t'as fait taf. Mon gars, flex. Oh, toi aussi, t'es trop. Ah, t'es trop en mode Kawhi Leonard, là, t'es trop en mode serein. Bah, en vrai, c'est mieux qu'il soit comme ça, il a 10 ans. Faut pas qu'il prenne la confiance trop vite. Voilà, faut qu'il reste normal, faut qu'il reste humble. Oulala, oulala. Et là, ils se sont cognés. Ils se sont cognés. Oh la dinguerie. Oulala, lui il va glisser lui. Hein. Il va tomber adversaire. Hein. Oulala. Qu'est-ce que j'ai dit? Ses appuis c'était trop bizarre. Il avait des appuis trop bizarres, wesh. Il va tomber. Il va tomber. Oh là là. Oh là là. Oh c'est une dinguerie. La tête de. Eh hey, dégage. Mais c'est même pas comme on réagit. Non mais les frères, il a fait tous les tournois du monde, c'est pas possible. Ah mais il faut qu'il monte le panier là, c'est trop facile pour lui là. Faut qu'il monte le panier un peu là. Voilà. Ouh, c'est beau ça. Ah, ils sont 3 sur 8, ils sont 3 sur 8 frérot. Voilà, ce petit c'est un crack. La tête de WAM c'est un crack. Oh le bâtard. En plus il fait la passe, il pouvait finir. Oh le... Comment tu peux rater? Ah c'est dommage que tu rates ça, c'est dommage. Ah mais lui j'ai l'impression qu'il met une casquette, c'est comme ce professeur. La tête de WAM on dirait, il est plus insolent que d'habitude. Je vous jure qu'il est con. Mais... J'ai l'impression qu'il y a une casquette, il marque plus de shoot. Hein. Regardez, mais je vous jure que. Mais wesh. Mais je vous jure que les gars. Mais wesh. Comme il y a une casquette, il est trop chaud au shoot. Oh, c'est une dinguerie, wesh. Oh là, c'est une dinguerie. Non. Les gars, jusqu'à. Et les gars, tellement qu'il est insolent, tellement que c'est facile pour lui. Jusqu'à il teste. Les gars, il teste des dribbles, des moves. Les gars, c'est une dinguerie. Il a le seum. Parce que ouais, il a raté. Mais il a lancé franc. Eh, hey, vas-y, je vais arrêter ta vidéo. Là, je vais arrêter ta vidéo. Wesh. Qu'est-ce qu'il a fait là? Ah ouais, en plus, il provoque le. Il va au contact, hein. Non. Lui, je vais arrêter, hein. Non, c'est bon. Moi, j'arrête. Moi, franchement, les gars, je vais pas finir. Non. Attends, juste fini. Dernière réaction. Peut-être la dernière réaction, c'est toujours la meilleure. Je vais voir c'est quoi. On va mettre ça. Alors, c'est pas dans le scénario, celui-là. Attends. Alors, la catégorie, donc, corporate entreprise doit se préparer sur le terrain, donc numéro 4, ils vont jouer juste après la finale. Trop d'N1, frère. J'ai appelé monsieur N1, c'est trop. Bon, les frères, moi, fin de réaction. Les gars, le petit, il a 10 ans, les gars, il s'appelait Tyler. Lui, il savait déjà que son fils allait être trop fort. Tu vois, quand t'appelles Tyler, c'est parce que c'est des blases qu'un riz, ça, c'est des blases. Tu sais que tu vas jouer à NBA plus tard, ça y est, frère, moi, j'ai pas rien à dire, ma gueule. Franchement, ce truc que je peux dire, c'est que bon, après, c'est une mixtape sur lui. C'est vrai qu'il aime bien monopoliser la balle. Mais après, franchement, le peu de passes dès qu'il a fait, ça se voit que le mec, quand il veut, il peut faire des vrais, il peut faire jouer son équipe, tu vois. Et bon, après, c'est vrai que c'est vraiment une mixtape basée sur lui. Ça se peut que dans les matchs qu'il fait, tu vois, il fait grave des passes et tout, on sait pas, tu vois. Mais en tout cas, de ce que je vois individuellement, il est archi chaud. Après, à voir ce qu'il. À voir dans. Bah, à voir plus tard, parce que là, j'avoue que le niveau pour lui, c'est un peu facile, j'ai l'impression. Même si les adversaires sont chauds, mais je trouve que lui, il a encore un niveau dessus. Et que, franchement, individuellement, c'est incroyable. Après, j'essaie de voir. Faut voir, en gros, ce qu'il va faire plus tard avec un bon collectif et tout. Est-ce qu'il va jouer pareil? Est-ce qu'il va s'adapter à l'équipe? Faut voir tout ça. Mais en tout cas, les gars, je suis impressionné de. À 10 ans, frère, à 10 ans, moi, je mangeais des cailloux, je jouais à Pokémon, frère. Je ne sais même pas faire un double pas, frère. Lui, il fait tout ce que les joueurs, tout ce que les gros joueurs font, tu vois. Jusqu'à il teste des dribbles, gros. Même dans Kuroko Basket, on fait pas ça, frère. Donc, en vrai, de vrai, l'équipe, notez sa prestation sur 10. Et dites-moi en commentaire, mais vraiment, je veux avoir un max de commentaires, ses qualités, ses défauts. Comme ça, même lui, quand il va voir la vidéo, il va apprendre, il va essayer de.
de résoudre tous les problèmes, en tout cas, des frères. Mon gars, il est chaud, hein. Oh, mon gars, il est chaud.